Bonjour à toutes, nouvelle petite vidéo en ce dimanche sur la chaîne des Bretons. Comment allez-vous? Donc encore une fois, je sais, j'ai fait un petit vlog pour le live. Donc encore une fois, on est vraiment désolé. YouTube n'a pas voulu fonctionner. Donc je sais pas, ça n'arrêtait pas de ramer, de ramer, de ramer. Je restais plus d'un quart d'heure comme ça à attendre et malheureusement, ils voulaient pas du tout se mettre. Donc j'ai préféré abandonner. Donc peut-être, comme j'ai dit, hein, peut-être aujourd'hui, ou sinon, ça sera, tant pis, ça sera pour samedi prochain. Voilà. Donc encore une fois, hein, désolé pour ça. Donc j'ai fait des petites courses à Leader Price aujourd'hui. Donc y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas des milliers des cents, comme on dit, hein, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Donc j'ai pris du salami. Ça en ce moment j'en prends beaucoup parce que voilà, on se fait Cécile et moi on se fait une petite cure de salami en ce moment. On a envie. J'ai pris deux steaks hachés de la marque Socopa à 2,39 €. Ouais, j'ai pris ça. Il faudra peut-être faire un truc avec, je ne sais pas. J'ai repris petite sauce tomate et poulet, j'avais pris la première fois et c'était pas mal, c'était pas dégueu ni rien du tout, donc c'était pas trop mal, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai pris un chat noir, voilà, qui s'appelle Blacko, il fait les petits coucous, voilà, coucou, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, hein, mon bébé. Il n'est pas trop caméra, Mister Blacko. Maout, lui, il s'en fout. Donc, pour finir, j'ai pris de la. Comme d'habitude, hein, ma petite boisson pour le midi au travail. J'ai pris deux Labadois. Ils ont remis des petites bouteilles rouges. Enfin, il y a encore du verre, mais j'ai pris. Ils en ont remis. Le lait pour Cécile. Le lait écrémé, comme la dernière fois j'étais à Franprix, ils en avaient pas. Et j'ai pris une nouveauté, enfin une nouveauté, pas une nouveauté au magasin, mais une nouveauté pour moi. J'ai pris des tortillas de blé, 320 grammes, et ça passe au four micro-ondes. Donc, si vous avez des petites idées de tortillas, ça fera super plaisir. Parce que franchement, j'en ai jamais fait. J'achète toujours des trucs déjà tout prêt, quoi, avec soit les légumes ou la viande, machin. Mais je voudrais essayer de les faire maison. Donc, si vous avez des idées de légumes ou de viande, enfin, surtout la viande. Parce que moi, comme vous avez dû le remarquer, je ne suis pas très, très, très légumes. À part les frites, les pommes de terre, les haricots verts, les petits pois, les flageolets, les haricots verts, non, les haricots blancs, les haricots rouges et le chili con carne. Voilà, c'est grosso modo les seuls légumes que j'aime bien, quoi. Sinon, le reste, les carottes, les poireaux, les choux-fleurs. Encore, les choux-fleurs, ça passe un petit peu. Brocoli, laisse tomber. Les navets, laisse tomber. Comme j'ai dit, les poireaux, c'est pas la peine. Carottes, encore moins. Champignons, alors c'est même pas la peine du tout. Oui, je suis très compliqué pour le miam miam, franchement. Mais par contre, je suis très très viande. Ça, la viande, même au niveau des fruits, je suis pas très fruit. À part bien sûr le raisin, le pamplemousse, les bananes, les clémentines, voilà, c'est les seuls trucs que j'aime bien. Dans le reste, non. Ça, c'est pas que ça passe pas, c'est que voilà, ça me dit rien, quoi. J'aime pas. Je suis pas trop ça. Le poisson, encore moins. Hein, bien sûr, à part tout ce qui est poisson pané, ça j'adore. Et le rouget. Et tout ce qui est moules, les moules j'aime bien aussi, les huîtres aussi. Sinon,
Le reste des poissons, c'est même pas la peine. Si je commence à manger un petit peu le saumon, grâce à Cécile qui me fait goûter à chaque fois, je commence à peu près à bien aimer le saumon, mais voilà, c'est pas encore. Je dis pas que je vais manger une assiette entière de saumon, c'est vraiment un tout petit peu. Bah voilà pour ça. Donc voilà, si vous avez des petites idées hein, pour les tortillas, hein, ça me ferait très très plaisir. J'essaierai de les faire dans la semaine. Essayer de faire une petite vidéo. Bon, je vous promets rien, hein, surtout ça va être du cacadou, hein, ça va être vraiment de la merde. Hein. Mais bon, comme on dit, hein, faut toujours essayer, toujours tester. Donc voilà, je vais tester. Ensuite, pour ce matin, j'ai pris un petit chausson aux pommes et un petit croissant pour Cécile. Tout frais de la boulangerie. Ça sent encore, encore il est un petit peu chaud, ça sent encore la bonne odeur de la croissanterie. Ben voilà pour cette petite vidéo, il est comme 6 minutes. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus ça va, plus mes vidéos sont petites. Donc voilà, comme j'ai dit à une abonnée, il en faut un peu pour tous les goûts. Et puis après, bah, quand on ne sait plus quoi dire, bah, voilà, je préfère, comme on m'a dit souvent, si tu ne sais plus quoi dire, bah, vaut mieux couper. Et donc voilà. Donc cet après-midi, on va aller à Action de Thiers. On va peut-être aller peut-être avant à Stokomani parce que j'ai vu sur une des vidéos de pas de Secret Nana mais d'une autre personne qui fait grosso modo le même système que la chaîne de Secret Nana qui est pas mal aussi qui a présente qu'elle présente correctement les articles. Donc elle y a été je sais pas dans la semaine ou hier ou avant-hier je sais plus. Et il y avait pas mal de petites nouveautés à Tocomani. Donc je ne sais pas auquel qu'elle a été. Donc j'espère que le nôtre là chez nous là. Et bah, les nouveautés ils y seront aussi. Donc voilà, puis bah, on fera la petite vidéo d'action. S'il n'est pas trop tard. Et puis pareil, hein, si on rentre pas trop tard, bon, comme promis, on vous fera le live. Sinon, bah, ça sera pour samedi prochain. Je sais, je me répète, c'est ça les vieux de 192 ans. Donc voilà, bon, 7 minutes. D'habitude, les minutes, ils tournent, mais là, ça tourne pas beaucoup. Donc, comme promis aussi, on va vous faire les petites vidéos des produits finis. Parce qu'il y en a, vous voyez, hein, il y en a de plus en plus. Et ça commence à déborder. On va peut-être avoir pour 3 heures pour les faire. Et la vidéo de qui nous donne, bien sûr. Hein. Donc là, j'ai mis une vidéo, un petit délire de dimanche que j'ai fait. Et je viens de vous remettre une autre petite vidéo. Et je pense qu'il y aura encore une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle que c'est. Je crois des. Pareil, c'est des courses, je crois. Et après, j'en aurai plus. Voilà, il reste encore deux là. Et après, bah, par la suite, bah, il y aura des nouvelles. Donc, désolé s'il n'y aura pas de vidéos tous les jours, hein, je peux pas, je suis comme tout le monde, hein, je peux pas me permettre de faire des vidéos tous les jours. Je sais qu'à un moment donné vous étiez habitués, mais bon, c'était des petites vidéos de réserve que j'avais fait, donc c'est pour ça que je les ai mis au fur et à mesure pour pas que ça passe trop trop tard non plus. Donc, et puis c'est pareil, je vous avais demandé de me donner des idées de vidéos. Moi j'essaye de trouver des idées comme la vidéo de pub. Bon, il y en a apparemment ça plaît et d'autres ça plaît beaucoup moins. Donc, je vais laisser encore une semaine le truc, une semaine ou deux, et selon les commentaires que je vais avoir, les personnes qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé la vidéo de pub,
Bah, je vais calculer les gens qu'ils aiment, les gens qu'ils n'aiment pas, et selon le résultat, bah, c'est soit je vais continuer à le faire, comme ça fera un petit truc en plus sur ma chaîne, et sinon, s'ils n'aiment pas, bah, si vous n'aimez pas, bah tant pis, je vais essayer de trouver autre chose. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, hein, c'était une toute première vidéo, c'était un test que je voulais faire, je voulais vous montrer. Et normalement aussi, on devrait pas tarder à faire pour les passes Navigo, pour les passes annuelles de Euro Disney. Il faudra qu'on y retourne dessus pour au moins en commander une seule. Donc, hier, moi j'en prends une et Cécile va s'en prendre une aussi. Donc, pour l'instant, on est encore sur celle de annuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de passes. Il y a beaucoup de passes pour Disney de plus en plus. Donc, le problème, c'est que celui de annuel, bah, il y a de tout, quoi. Tu as vraiment toute l'année. Tu as des options. Je crois que tu peux faire entrer pas mal de monde. Tout ce qui est niveau restauration, tout ça, bah, tu payes beaucoup moins cher. Je dis pas peut-être dans tous les restaurants, mais je sais, moi je sais, il y a une année, il y a très très longtemps, je m'étais pris ma passe annuelle. Je n'avais pas payé ce prix-là, beaucoup moins cher. Et c'est vrai, j'avais eu à droit à tout accès. Mais au niveau des restaurants et tout, j'avais payé beaucoup moins cher. Tout ce qui était en promo, c'est pareil, j'avais encore une remise en plus grâce à la carte. Et grâce à la carte aussi, je crois que tu peux bénéficier de rentrer dans des trucs en priorité pour éviter de faire la queue. Après, je ne sais pas si ça se fait toujours. Donc voilà pour ça. Donc on va voir pour ça. Donc on espère les avoir avant le 30 octobre, parce que je voudrais bien aller pour Halloween, pour les décors Halloween à Walt Disney, parce que comme j'ai vu les images sur Instagram, c'est très très joli. Donc je voudrais y aller au moins. Après, si je loupe, tant pis, hein, ça sera pour l'année prochaine, hein, c'est pas grave, hein. Et encore l'année prochaine, bah ben non, parce que l'année prochaine, à moins que, bah ben si, l'année prochaine, si c'est une année, si je le prends là, donc que veut dire ça fera jusqu'à octobre l'année prochaine. Donc je pense, ouais, je pense que ça devrait, logiquement, ça devrait se faire, logiquement. Donc voilà, donc cette fois-ci, voilà, il y a 13 minutes, voilà, je suis content. La vidéo était un petit peu plus longue. Donc, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Un très bon dimanche. Bon appétit pour ceux qui mangent là. Nous, on ne mange pas parce que, comme je vous ai dit, nous, les midis, c'est très 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 rare qu'on mange. On est plus déjeuner, gâteau, cosin comme ça. Et puis, bah, une prochaine petite vidéo sur la chaîne des Bretons. Allez, ciao les loulous. Hugues!